de trois quarts de transport et d'une quarantaine de véhicules particuliers, les Ivoiriens de France et les nombreux panafricanistes mobilisés pour la cause de Laurent Gbagbo ont effectué nombreux le déplacement de La Haye en Hollande pour être aux côtés de l'ex-chef d'État ivoirien ce 9 octobre 2013 pour l'ouverture de cette audience qui a porté pour l'essentiel sur la libération conditionnelle de Laurent Gbagbo. C'est donc à 1h30 du matin qu'ils ont pris le départ de la gare du Nord, lieu habituel des rassemblements, en direction de La Haye. Oui, mais c'est toujours dans le cadre du soutien de la résistance au combat de tous les compatriotes ivoiriens. Donc il fallait qu'on vienne pour continuer le travail qu'on a commencé depuis 2002, quand la guerre a éclaté en Côte d'Ivoire. Donc c'est dans ce même sens que nous sommes là. Et comme aujourd'hui est un jour de l'audition du président de la République, il fallait qu'on soit là. C'est justement la raison pour laquelle nous sommes là. Merci beaucoup. Ouais. Merci monsieur le journaliste. Ma présence aujourd'hui ici, c'est pour tous les Centrafricains. Je soutiens le président Gbagbo et je suis aujourd'hui à La Haye, à l'audience, pour faire sortir le président Gbagbo. Car si le président Gbagbo sort, aujourd'hui, c'est toute l'Afrique qui est libérée. Voilà pourquoi, depuis La Haye, la maison, la prison, j'étais avec mes soeurs et aujourd'hui, je suis à l'audience aujourd'hui. Gbagbo doit sortir pour la libération de l'Afrique parce qu'il est en prison à cause des Ivoiriens. Il n'est pas en prison pour lui-même, mais il est en prison à cause des Ivoiriens. À chaque fois, les présidents africains, on leur demande de fuir, d'exiler. Mais Gbagbo, il n'a pas fui, il a refusé qu'il ne va pas être exilé. Il va rester là où il travaille. Il a dit en 2009 et il a exécuté. Donc aujourd'hui, c'est un démocrate. Et moi, en tant que femme, en tant que présidente de l'organisation des femmes, Réseau des femmes en action pour le développement, que je suis la présidente, je soutiens le président Gbagbo pour la libération des Ivoiriens, des femmes ivoiriennes qui sont torturées, qui sont violées et toutes les femmes africaines. Dans la salle d'audience 2 de la CPI, les débats se sont articulés sur l'argumentaire des différentes parties, notamment le bureau du procureur représenté par le substitut du procureur M. McDonald, le représentant légal des victimes et la défense conduite par Maître Altit. Pour tenter de convaincre les juges de la chambre préliminaire 1 de la CPI sur la nécessité de la détention ou de la libération du prévenu Laurent Gbagbo, nous vous proposons donc l'intégralité de l'audience. Dans le cadre de cette audience publique, y compris les obligations du procureur dans sa présentation de ce matin. Alors ici, au terme de l'article 60, la Chambre doit réévaluer la décision de maintien en détention afin de déterminer s'il y a eu une évolution dans les circonstances l'ayant motivé et s'il existe des circonstances nouvelles ayant une incidence sur les conditions énoncées à l'article 58, paragraphe 1 du statut. Alors, pour cette raison, la Chambre ne saurait se contenter d'examiner les arguments avancés par la personne détenue. Elle doit mettre en balance les arguments du procureur et ceux de la personne détenue. Elle doit aussi examiner toute autre information pertinente. Enfin, dans la décision qu'elle rend à l'issue du réexamen, la Chambre doit exposer clairement les raisons de ses conclusions.
Madame le Président, Madame, Monsieur les juges, nous sommes ici pour discuter d'un éventuel changement de circonstances susceptible de modifier la décision de la Chambre sur le maintien en détention. D'abord, je tiens à souligner que les considérations que la défense va développer devant vous sont formulées sous réserve de la décision à intervenir de la Chambre d'appel, portant sur le troisième examen des conditions de maintien en détention. En effet, nous allons malheureusement débattre aujourd'hui dans le vide, parce que nous allons réexaminer une situation dont nous ignorons tout en l'absence de décision définitive sur le troisième examen des conditions de maintien en détention. Je ne reviens pas ici sur les définitions habituelles du changement de circonstances. Simplement, il est clair que le changement de circonstances peut être évalué à plusieurs niveaux, un niveau global, un niveau national, un niveau politique, etc. Il s'agit de prendre en considération l'ensemble d'une situation. En réalité, un changement de circonstances est assimilable à un changement d'environnement. Les circonstances, c'est ce qui structure un certain paysage. Un changement de circonstances transforme le paysage. Et si le paysage change, si le cadre dans lequel se trouvent les protagonistes change, alors, nécessairement, leur perception change aussi. Leur perception des éléments du décor et leur perception de leur rôle respectif. Un changement de circonstances entraîne donc un changement de configuration. Les protagonistes se trouvent alors, désormais, dans un nouveau type de rapport. Et ce qui était vu comme un risque par tel ou tel ne l'est plus naturellement. Et si la perception de l'un des acteurs principaux change, nécessairement la perception des autres acteurs va changer elle aussi. Or, à quoi assiste-t-on dans cette affaire ? Tout d'abord, le gouvernement ivoirien semble avoir récemment décidé d'agir en faveur de la réconciliation nationale. Il a notamment procédé à la libération de 14 opposants politiques, jusque-là détenus dans des conditions difficiles et dans un cadre légal douteux. Ce sont les pièces de la défense 22, 23, 31 à 39. Ces libérations ont certes été décidées sous la pression des grandes puissances. Ce sont les pièces de la défense 38, 42, 45, 70. Mais elles n'en ont pas moins une signification concernant la réconciliation. La première conséquence en est la reconstruction de l'un des principaux partis ivoiriens, le parti du président Gbagbo, le FPI. Ce parti est avec le parti de l'ancien président Bédié, le PDCI, et avec celui du président Ouattara, le RDR, qui est plutôt un conglomérat, l'un des principaux partis qui structure la scène politique ivoirienne. Le FPI est donc un parti légal, dont les dirigeants à peine libérés ont été reçus notamment par les ambassadeurs de France, par l'ambassadeur des États-Unis, par les représentants de l'ONUCI, par les représentants de l'Union africaine. Son rôle est compris par les représentants de la communauté internationale comme essentiel. Et le gouvernement ivoirien a entamé des discussions avec les responsables du FPI. Puisque ces libérations ont eu lieu sous la pression de la communauté internationale et que les dirigeants du FPI ont été officiellement reçus par les représentants de la communauté internationale, la communauté internationale est donc impliquée dans ce processus de réconciliation. Il convient donc d'accompagner ce processus à un moment charnière de l'histoire de la Côte d'Ivoire,
à un moment où il est absolument nécessaire d'engager une dynamique vertueuse pour contrer les effets de ce à quoi l'on assiste depuis 2 ans, c'est-à-dire la destruction des structures étatiques, l'accaparement des richesses du pays par un réseau militaro-économique, comme le nomment les experts mandatés par l'ONU, dont se réclame le procureur. L'insécurité perpétuelle, la violation à grande échelle des droits de l'homme, la négation de la règle de droit et la corruption généralisée. Il appartient à la Cour pénale internationale, dont l'un des buts proclamés est de lutter contre l'impunité et de restaurer une paix durable, d'accompagner autant que possible ce processus et en tout cas de ne pas souffler sur les braises de la violence et de la discorde. La décision, par exemple, des autorités ivoiriennes de ne pas transférer Simone Gbagbo à ces pays a une véritable signification du point de vue de la réconciliation. C'est un geste d'apaisement, d'après les observateurs. C'est l'annexe de la Défense 24. Ce geste signifie aussi que les autorités ivoiriennes se déclarent désormais prêtes à faire face au passé immédiat. Ce faisant, les autorités ivoiriennes considèrent qu'il n'existe plus de danger, si jamais il y a eu un danger, à ce qu'un véritable débat judiciaire et par conséquent politique soit engagé dans le pays. Ce sont les pièces de la Défense 25, 26, 27, 29 et 44. Il s'agit ici d'autant d'éléments nouveaux que la Chambre doit, du point de vue de la Défense, prendre en considération lorsqu'elle examine si les conditions de maintien en détention ont changé. En d'autres termes, puisque le contexte change, la perception du risque change, l'évolution des choses, tout ce qui contribue à changer le contexte, entraîne une lecture différente des dispositions de l'article 58.1b. Réfléchissons un instant à ce que signifie le maintien du président Gbagbo en détention dans un tel contexte. C'est pour les Ivoiriens un signe de défiance à leur égard. Le refus de prendre en compte la possibilité d'une réconciliation, la volonté réaffirmée de désigner un seul responsable, alors qu'il est désormais clair, aux yeux de tous, que certains de ceux qui sont accusés de crimes contre l'humanité, par les organisations de défense des droits de l'homme, sont au pouvoir en Côte d'Ivoire. Le maintien en détention du président Gbagbo ne peut être compris aujourd'hui par l'opinion publique ivoirienne et internationale que comme une prise de position politique de la Cour en faveur d'un camp contre l'autre. Et nous parlons ici de liberté provisoire, pas de liberté définitive. La liberté provisoire n'a pas d'impact sur la procédure. Nous verrons dans un instant ce qui pourrait, d'un point de vue juridique, justifier qu'elle ne soit pas prononcée, que ce qui d'un point de vue juridique pourrait justifier qu'elle soit prononcée, n'existe pas. Prenons ensuite en considération que le président Gbagbo est le père de la démocratie ivoirienne. C'est lui qui a introduit le multipartisme dans le pays. C'est lui qui est revenu sur la notion d'ivoirité inventée par le président Bélier. C'est lui qui a permis à Alassane Ouattara d'être candidat. Et c'est de lui que se réclame le FPI et une grande partie de la population ivoirienne. Par conséquent, tout ce qui touche au président Gbagbo contribue à la possibilité d'un dialogue fructueux et à la réconciliation. Il convient d'ailleurs de noter qu'un certain nombre de responsables du gouvernement ivoirien considèrent désormais sa mise en liberté provisoire
comme une possibilité réelle et ne la voit pas comme un danger. Par exemple, Daniel Kablan-Duncan, premier ministre ivoirien, dans une interview à la chaîne BBC Afrique, répondant à la question « La libération de Laurent Gbagbo, vous y pensez souvent ? Est-ce une probabilité ?» répond, je cite, « S'il est relâché, il reviendra où il veut, y compris en Côte d'Ivoire. Il n'y aura aucun problème. » Le Premier ministre ivoirien. Ce sont les annexes de la Défense 49 et 50. Dans le même esprit, le président Ouattara a d'ailleurs estimé que la libération provisoire de responsables du FPI ou de l'ancienne administration Gbagbo était un pas utile et nécessaire dans le processus de réconciliation. Ce sont les annexes de la Défense 40, 41, 47, 48. Que dit le président Ouattara ? Depuis des mois, j'ai indiqué au ministère de la Justice que nous devions accélérer les procédures pour que des personnalités qui sont connues puissent être en liberté provisoire. À un autre moment, j'estime que c'est une très bonne chose, d'abord pour les personnes et leurs familles. Je considère, dit-il, que ce n'est pas bon d'avoir des personnes de ce rang en prison. Le président Ouattara. Que dit-il ? Fondamentalement, c'est un acte d'apaisement. Alors, le contexte étant présenté, le cadre planté, examinons maintenant, d'un point de vue plus technique, ce que la situation nouvelle implique dans l'examen des conditions de l'article 58.1b. Et tout d'abord, concernant le pseudo-réseau de soutien au président Gbagbo, dont le procureur a dit tout à l'heure, si j'ai bien noté, que c'est un réseau de soutien à l'image, à l'attrait. Ça ne paraît pas très juridique, ni même très convaincant. Pour tenter de faire croire que mettre en liberté provisoire le président Gbagbo serait prendre le risque de le voir fuir, le procureur n'a cessé, depuis le début, de prétendre qu'existerait ce réseau, constitué de personnes aux moyens gigantesques, prêtes à tout pour soustraire le président Gbagbo à la CPI. Pour le procureur, le critère d'appartenance à ce réseau consiste à affirmer publiquement un soutien au président Gbagbo, comme si celui-ci avait déjà été jugé et condamné. Or, il n'est pas jugé et, a fortiori, pas condamné. Et puis, en plus, toutes les allégations du procureur se sont dissoutes à l'examen. On en a parlé à chaque réexamen. Tout ce qui vous avait été présenté comme des faits a disparu. Lorsque l'on examine la situation, que constate-t-on ? Que le président Gbagbo reste une personnalité extrêmement populaire, non seulement dans son pays, mais dans toute l'Afrique. Dans son pays, nombre de dirigeants continuent à se réclamer de lui. Une grande partie de la population lui reste fidèle. Dans ces conditions, criminaliser une personne parce qu'elle exprime une opinion, soit concernant les élections de 2010, qui n'étaient pas très claires entre nous, soit concernant la crise post-électorale, soit concernant les exactions commises par les chefs militaires pro-Ouattara, soit concernant le triste sort fait aux exilés dans les pays voisins de la Côte d'Ivoire, est absurde. Cela relève d'une prise de position en faveur d'un camp contre l'autre, et cela concerne des millions de personnes. De plus, une telle attitude est désormais en contradiction directe avec celle des représentants de la communauté internationale.
qui traitent, eux, avec beaucoup d'égard, les représentants du parti du président Gbagbo. Quant aux accusations formulées par les 5 experts intervenant sous l'égide de l'ONU, reprises par le procureur, et encore aujourd'hui d'ailleurs, même si il a mis de l'eau dans son vin, bien obligé, concernant une aile radicale du mouvement pro-Gbagbo, je cite, « aile radicale du mouvement pro-Gbagbo, composée d'exilés ivoiriens réfugiés au Ghana, nous avons démontré qu'elle ne reposait sur rien et ne consistait que dans une reprise approximative d'accusations gratuites, contradictoires, formulées dès leur prise du pouvoir par les services politiques du nouveau gouvernement ivoirien. À ce propos, Madame le Président, Madame, Monsieur, il est intéressant de noter que les autorités ghanéennes ont considéré que les accusations portées contre un ancien ministre du gouvernement Gbagbo répondaient à des motifs politiques. Ce sont les annexes de la défense 8, 9 et 10. Et voilà un élément nouveau, naturellement. Les raisons qui ont amené le juge ghanéen à rejeter la demande d'extradition formulée par les nouvelles autorités ivoiriennes contre l'ancien ministre du budget du président Gbagbo sont insuffisance de preuves relatives aux crimes économiques allégués et les charges contre l'accusé n'ont aucune consistance et sont politiquement motivées. Voilà. Surtout, le fait que les représentants de la communauté internationale réintroduisent le FPI dans le jeu politique ivoirien démontre, s'il en était besoin, qu'être pro-Gbagbo n'est pas un crime. Et c'est là aussi un élément nouveau. Par conséquent, le fait qu'existent des supporters du président Gbagbo ne peut en aucune manière constituer un prétexte pour éviter de le mettre en liberté et ne représente même pas, de l'avis des représentants de la communauté internationale, un danger. Concernant les incidents à la frontière du Libéria, entre les autochtones chassés de leurs terres par des populations venant souvent du Burkina et les nouveaux occupants, les mêmes experts ont voulu, suivis par le procureur, nous faire croire qu'il s'agissait d'affrontements politiques. Ces fameux affrontements sont, d'après le HCR, en baisse. Le HCR précise, c'est l'annexe de la Défense 20, plus de 10 000 Ivoiriens ont regagné leur pays cette année à partir du Libéria. Le HCR souligne que les attaques aux frontières ont sensiblement diminué, ce qui a permis de multiplier par deux le nombre de retours vers la Côte d'Ivoire. Nous nous réjouissons de l'amélioration de la sécurité à la frontière, qui encourage un plus grand nombre de réfugiés à rentrer chez eux. Et nous espérons que la situation de sécurité continuera à s'améliorer. C'est là un élément nouveau et important qui donne à voir une autre réalité que celle qui vous est dépeinte par le procureur. Et surtout, qui donne à voir une autre réalité que celle qui vous a été présentée lors de la mise en détention. Concernant les moyens dont le procureur a parlé tout à l'heure, il convient de rappeler que la défense a prouvé lors des débats précédents que les allégations des mêmes experts, suivies par le procureur, à propos de prétendus comptes cachés du président Gbagbo, étaient fausses. Alors je note que le procureur semble avoir abandonné, enfin, après un an, cette allégation. Mais c'est pour mieux en formuler une autre. Il n'y a plus 8 comptes, comme il le disait il y a encore quelques semaines, il y a 2 comptes maintenant. Enfin, 2 comptes. Un compte appartenant au président Gbagbo et un compte appartenant à Simone Gbagbo. Ça ne nous fait qu'un compte, n'est-ce pas ? Ah, ça fait 2 comptes. Bon. Et il ne serait pas gelé,
d'après les experts. Ils sont gelés ou pas ? Alors, sous réserve, je répète, le résultat de notre recherche, page 53 du rapport des experts, ces comptes sont gelés. Ah non, bon, eh ben, on pourra peut-être y revenir tout à l'heure. La question n'est pas là. La question, c'est que tout ça n'est pas sérieux. C'est ça la question. Et puis la question, c'est aussi, Madame le Président, nous avons quand même avec nous un procureur. Il est doté de moyens importants. Il dispose de l'aide des autorités locales et de la communauté internationale. Et au bout de plus de deux ans d'enquête, il vient vous dire « je ne sais rien ». Après vous avoir dit « je sais tout », mais ça s'est révélé faux. Est-ce qu'on peut fonder une mise en détention là-dessus ? Sur des hypothèses qui toutes se révèlent fausses ? Il s'agit de la liberté d'un homme. Hein. Donc, il ne reste rien de l'argumentation développée par le procureur, expliquant à votre chambre combien le risque de fuite était important du fait de la puissance du prétendu réseau des pro-Gbagbo, de la richesse de ses membres et des moyens dont aurait disposé le président Gbagbo lui-même. Un mot sur la richesse des membres du prétendu réseau. Vous vous souvenez que c'était une allégation des experts, ces fameux experts, que le procureur reprend encore, parce qu'il ne nous a apporté aucun élément, donc il doit bien s'appuyer sur quelque chose. Donc il s'appuie nécessairement sur ce qu'ont dit les experts. Et qu'est-ce qu'ils ont dit les experts ? Rien du tout. Que le réseau disposait de richesses, de forces, de moyens. Et sur quoi il s'appuie le rapport ? Sur quoi s'appuient les experts ? Sur rien. Sur un PV d'une réunion entre certains exilés ivoiriens au Ghana, discutant la possibilité de faire appel à Miss Californie pour venir les aider, pour sensibiliser l'opinion publique internationale. Et qu'est-ce qu'il ressort de cette réunion ? Mais qu'ils n'ont pas le moindre sou pour la faire venir. C'est ça, la base factuelle. C'est ça, le fond des accusations. Cette absence totale d'éléments probants doit être prise en compte, de notre point de vue, par la Chambre. Et de plus, doit être replacée dans le contexte de la nouvelle situation dont nous parlions tout à l'heure. Autrement dit, il n'existe aucun risque objectif de fuite. En existerait-il un ? Il devrait être relativisé en fonction de la nouvelle perception des risques qu'entraîne la nouvelle situation. Concernant une éventuelle obstruction aux enquêtes en cours, nous n'allons pas nous y attarder, puisque le risque semble ne pas exister. Le procureur n'ayant jamais cru bon d'apporter un quelconque élément dans ce sens. Le procureur enquête depuis au moins 2 ans. Il n'a jamais mentionné une quelconque obstruction, non même réelle, mais possible. D'ailleurs, son enquête est censée bientôt arriver à son terme. Dans ces conditions, il ne peut y avoir aujourd'hui de véritable risque d'obstruction. Alors, puisqu'il n'allègue rien, comment est-ce qu'on peut prouver quelque chose ou démontrer quelque chose ? À partir de rien, c'est impossible. Je m'excuse de vous interrompre. C'est 11 heures maintenant. Oui. Est-ce que ce serait le moment de la pause ? Mais peut-être vous allez bientôt finir. Vous avez pour quelques minutes. Je vais bientôt finir. Oui. Peut-être serait-il préférable, en effet, de faire la pause. Okay. Oui.